Hey yo les gens, c'est Bizarre VTTF. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire la customisation de la nouvelle voiture, donc la Ardenne. Donc voilà, je vous l'ai montré. Donc elle se trouve au Warstock Cash and Carry. Donc voilà, la Ardan. Donc Ardan ou Ardenne, je sais pas comment on dit, on prononce. Donc voilà, elle coûte 1 150 000. Donc voilà. C'est un nouveau véhicule blindé comme le Night Shark, la PC, l'oppresseur, etc. Donc voilà, on va aller la custom tout de suite. Donc au centre d'opération mobile, donc qui est juste là. On va mettre un petit point. Donc voilà, déjà elle est comme ça de base. Donc voilà, j'ai pris bleu de base. Donc voilà, assez rétro, style assez rétro. Donc voilà, en vue première personne, ça donne ça. Donc voilà. Et le bruit du moteur, donc voilà, ça, donc ça va. Donc voilà, hop, on va aller rejoindre le centre d'opération mobile. Ah, donc déjà, et ah d'accord, on peut prendre les, ok, les armes de base qu'on a et la mitrailleuse de la voiture, donc d'accord, ok, ok. Donc voilà, donc ça c'est déjà un bon point, c'est à dire on n'est pas obligé que de tirer avec avec l'arme de la voiture, la mitrailleuse de lance-roquette, on peut tirer directement avec d'autres armes. Donc voilà. Donc voilà. Si ce concept de vidéo te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires, à liker, à partager, commenter, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, c'est parti pour la customisation. Donc blindage à fond, frein à fond, pare-choc avant, donc pare-choc de série. Pare-choc de série couleur 2, sport couleur 2, tuning et tuning couleur 2, on va mettre tuning couleur 2, ensuite pare-choc arrière, donc pare-choc de série, pare-choc classique, je sais pas ce que ça change, bon, on va mettre pare-choc classique, écoutez, moteur, donc réglage moteur niveau 4, protection moteur lisse, donc de série, lisse, double aération, tuning, visible personnalisé, visible chrome, visible couleur, je préfère celui-là, double aération. Donc voilà, échappement, donc échappement ovale ou échappement de série, donc on va mettre ovale. Aile, donc aile de série, L en plastique, L couleur 2, on va mettre les ailes en couleur 2. Capot, donc capot lisse, ventilé, double ventilation, performant, tuning, aération profonde. On va mettre aération profonde. Ensuite, klaxon, on s'en fiche, éclairage, phare xénon, kit néon. Donc voilà, vous avez remarqué, donc hop, les phares ils s'allument comme ça, donc avec l'animation, donc c'est assez sympa. Donc kit néon, support néon, avant arrière côté, couleur néon, on y reviendra après. Motif, donc camouflage basique, camouflage zancou d'eau, camouflage vaporisé, tricolore avec contour, moderne. Donc bien sûr je n'ai pas tous les camouflages, désolé. Donc voilà, il m'en manque 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 à peu près. Donc voilà, on va mettre le camouflage basique, donc voilà comme ça. Bon, après bien sûr la customisation n'est pas définitive, donc la plaque jaune sur noir, peinture, couleur principale, donc alors la couleur principale, oh ça passe quand même, hein. Oh ça passe, ça fait stylé, enfin après moi je trouve que ça fait stylé, mais voilà, hein, après c'est pas, comme je vous ai dit, c'est pas la customisation finale, enfin qui va durer longtemps. Donc voilà, je sais pas si je mets en crew ou en mat noir,
Allez, je pense en mat noir, voilà, emblème, voilà, l'emblème du crew vendre. Donc là, vous pouvez la vendre à partir de 779 270 $. Donc voilà, bon, c'est, on va dire, assez rentable. Donc voilà. Donc aileron, alors aileron classique, aileron tuning couleur 2. Donc on va prendre aileron tuning couleur 2. Ensuite, suspension au max, transmission au max, turbo. Bah, tuning turbo, voilà. Voilà, bon, ça, voilà. Ensuite, les roues, type de roue, donc ça, on va mettre plutôt muscle car. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je sais pas. On va mettre. Je sais pas. Un mercenary. Donc voilà. Ensuite, couleur des jantes noire, oui noire, comme ça fait tout bien ressortir. Pneus, apparence des pneus custom, à l'épreuve des balles. Fumée des pneus du crew. Mince. Du crew, voilà. Donc ensuite, fenêtre, limousine. Et puis voilà, c'est tout. Donc les kits néon, couleur néon. Un head crew. Voilà. Et on sort du centre d'opération mobile. Donc voilà. Donc voilà. Voiture assez stylée. Donc voilà. Comme vous pouvez le constater. Voilà. Voiture armée. Voilà. Donc voilà la voiture. À quoi elle ressemble à peu près. Donc on va descendre par là. Voilà, la voiture elle est assez stylée quand même. Voilà, avec l'animation des phares qui est comme ça. Donc voilà, assez stylée. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de la customisation dans les commentaires. Donc voilà, si vous voulez que je vous fasse encore des customisations des nouveaux véhicules qui sortiront sur GTA. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter la vidéo. Ça fait toujours plaisir. À t'abonner. Donc voilà, j'espère qu'on atteindra les 400 bientôt. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. C'était Bizarre BTTF. Ciao.